Et yo tout le monde, c'est Cyprien, comment vas-tu Squeezie? Il a bien claqué, on va le mettre en replay. Yo tout le monde, ralenti. On est sur One Piece Burning Blood. Burning voilà. Blood. Bienvenue sur Fatigue Gaming. Fatigue. Fatigue. Et Fighting aussi, puisque. Également. On est un peu mort et en même temps on va jouer. Alors ça me fait très plaisir de jouer à un jeu de baston. Tu sais que j'affectionne ça particulièrement. C'est vrai. Alors moi c'est un truc que j'adore, c'est quand ça refait l'histoire. Ça s'appelle Guerre au sommet. Guerre au sommet. Voilà, il y a l'épisode Luffy, épisode Barbe Blanche, épisode Akainu. Ah et tu peux. Et épisode Ace. Choisis carrément le chapitre que tu veux faire. Putain, c'est génial avec la petite map comme ça. Allez, c'est parti. Lis bien ce qui est marqué en droite. C'est un bon alors, ouais, voilà. Alors j'ai lu les mangas, mais je me suis arrêté assez au début. C'est sur l'île de glace avec la rencontre avec Chopper. Donc en fait, tout va être que du spoil finalement. Et... Non, on va faire du combat libre, mais rien, ouais, que voilà. Rien que voir les persos, c'est du spoil en fait. Allez, je choisis mes persos. Ça va être bien épique ça. Hein. Et je prends le meilleur perso du jeu qui s'appelle Bonne Clé. T'as testé le. Arturo, oui. Le Beat'em All. Ouais, ouais, moi j'ai joué énormément chez moi, mais en fait, je me suis arrêté justement parce que le Beat'em All, ça fait vraiment tout le jeu. Ah oui, enfin, tout l'anime, pardon, ah, oui, ouais, niveau histoire. T'es arrêté pour ça, c'est horrible. C'est que tu ouais, pas bah, pu ouais. jouer. Ouais, j'ai pas pu jouer, trop spoilé trop. Alors, moi je vais prendre que des personnages que je connais. Hein, donc déjà on va partir sur un bon gros Luffy des familles. Nami, qui a les seins de plus en plus gros à chaque nouvel épisode. Un bon gros chop-chop. Ah, tu fais vraiment l'équipage de Luffy quoi. Ah, après il y a les personnages ouais, de alors soutien. Tu peux jouer avec 9 persos oh. plus 3 de soutien. Ah ouais, là ça va trop loin. On va s'arrêter. On va s'arrêter à 3 persos, c'est très bien. Avant. Bah t'as qu'à me faire la map gelée là. Tu veux... Ah tu veux, ok. Voilà, comme ça, okay, vraiment okay. C'est pour me remettre dans le mood. Allez, comme ouais. ça. Allez, c'est parti. Oui. Alors moi, en fait, je suis un danseur de ballet qui est extrêmement sexy. Aïe. Oui, c'est bien ça. Ça oh là là. Il est pas mal. Le petit Luffy, il met bien. Bah écoute, je me fais vraiment le foncer. C'est un vrai plaisir. Ah, j'entends plus qu'elle a un coup. Mettez un pouce vert. N'hésitez pas à liker la vidéo. Aïe. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, oh, la petite esquive. Elle est belle. Kiffé, pote. C'est sympa de pouvoir esquiver. Et c'est parti pour un chop. C'est parti pour un chop. Alias, le petit cerf gentillet. Allez, je vais te couper en rondelle, je vais tellement te mal, je fais mal, je fais mal. C'est son coup spécial. Oh, quoi ce qu'il est? Oui, il est trop lent. C'est un castor, hein, tu sais, c'est pas très... Mais c'est pas un castor. On va dire que c'est un castor, c'est plus ridicule. Tu me l'as tué, tu me l'as tué. Je vais te tuer, vraiment. Et là, j'ai mon super pouvoir. Mais t'es sérieux? Je dois continuer d'avancer. Mais non. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, attention. C'est quoi, c'est ton ultra? Ouais. Est-ce que ça... Non, c'est le... Eh ben voilà, vu que t'étais pas passé, ça rien fait. Je suis hyper cool. Dans l'ennemi, il se passe pareil. Hein. Quand l'ennemi est à terre, vraiment, ça marche plus. Oh là, là, on lance mon embrasement. Elle est morte. On va plus jamais le lancer. Mais non. Et ton petit Luffy, il va décider aussi. Hein. Ok, je change. Après, on va danser, c'est cool. J'aime trop, puisqu'il fait un peu comme Sanji, tu sais, avec ses jambes. On casse cette vilaine garde. Allez, je gagne 300 000 berries. On va au grec et on s'achète de grec, si tu veux, avec ses berries. Ok, je vais jouer Shanks. Tu sais qui c'est Shanks? Tout au début, là, qui lui donne un peu la quête. C'est ça. Bon, vas-y, Barbe Blanche. Et on va prendre Usopp, allez. On va prendre une petite team féminine. Pendant que tu choisis, je propose d'expliquer le principe de One Piece aux gens. Luffy, le personnage principal qui veut devenir le plus grand de tous les pirates. Du coup, il se fait un petit équipage. La particularité de l'univers, c'est qu'il y a des fruits qui te donnent un pouvoir. Ça s'appelle des fruits du démon. Par exemple, le fruit élasticité te donne le pouvoir d'être élastique. Mais par contre, ça t'empêche de. Mais ça t'empêche de pouvoir nager. Donc, si tu tombes dans la mer, tu coules comme du plomb. Alors lui, il est poussé à la salle. Il est l'homme le plus fort du monde. Même sa moustache pousse à la salle. C'est génial parce qu'ils ont chacun une des phrases qui se parlent entre eux en fait. Imagine le nombre de phrases qu'ils ont dû faire. Oh, j'ai jamais vu Shanks se battre de ma life. À part contre une baleine, au tout début. Apparemment, il utilise un sable. Je savais même pas, mon gars, c'est génial. Oh, et déjà, tu mets pas des mains au cul comme ça, s'il te plaît, mon enfant. Ah, c'est trop stressant parce que le problème. Ouais, on voit même pas. C'est le perso, il bug. Le personnage. Oh putain, les décors, d'accord, ok. Ah, je suis dead. Ouais. T'es red. Alors là, je t'ai piqué si tu veux la pointe. Je te lâche pas. Désolé, j'ai vraiment pas envie de te lâcher. J'adore ce coup. Regarde dans le vide. Hop là, par derrière. Dernier perso. Ah là, j'ai quoi là? Un peu plus rapide. Déjà, t'appelles quoi là, donc avec quel nom? Y'a quoi là? C'est toujours plus correct. Et d'où ton. Il fait quoi? Il boit un. Il a. Ouais, c'est un dalleux, d'accord, ok. Et d'où ton embrasement, il s'est chargé plus vite que nous? Bah, parce que vu que j'ai mis plus de coups. Non, mais attends, mais c'est trop simple, dans ce cas-là, ça écrase, parce que c'est pas normal. Et boum! Alors, je sais pas ce que je vais faire, mais je pense qu'il va faire très très mal. Ah oui, on peut voir ta vie qui finalement est bien partie en fumée. Oh mon dieu! Le koala contre-attaque. Allez, on veut quand même voir les autres persos, non? Oh, Barbe. Il est immense, il est immense. Mais attends, il est immense, mec, c'est Odor ce truc. Et ça, j'ai plus d'expérience parce que j'en suis plus loin que toi dans les. Exactement. C'est juste pour ça. Exactement, c'est extrêmement frustrant. Fais une team microscopique. Bah, déjà, Chopper. Chopper. Lui est petit et la meuf. Team petit. Mais non, je vais prendre les plus grands. Prends Barbe Blanche direct, mon gars, il est immense. Ouais, lui est gros et ensuite bas droite. Tu vois? Et elle est immense. Team petit versus team, petit team grand. Versus team grand. On va aller à la ville portuaire, c'est parti. Arrêtez! Ah!
Attends, il fait trop mal, c'est abusé. Je trouve il est raté. Attends, mais je vois même pas mon perso tellement le tien est grand. Regarde, il est juste son casque, il est boss. Ils sont tous à même temps. Ils sont tous regarde-le. Et muscle les jambes à la salle, hein. Hop là, petit coup de poing, je sais pas si ils ont pouvoir, mais en tout cas, elle fait très mal. Oh, un petit choc, j'ai envie de faire un petit choc. Ça ne passe pas. Eh, arrête de vouloir me faire des câlins, c'est pris ailleurs. Ah, c'est bon, il y en a un qui est décédé déjà. Oh, lui, il est pas si grand, mais il est vraiment stylé. Petit point, on va pas se mentir. Elle est hyper rapide, Koala. Je l'adore. Oh, oh, oh. Et c'est fini, allez, je mange au peur. What? Je sais pas comment j'ai fait ça. Ils sont bien sympas. En fait, quand tu l'appelles au bon moment, je pense. Bon, moi, je t'en kill un, parce que... Ah, bah voilà. Ok, c'est parti, on part sur lui, je sais pas ce qu'il fait. Il a l'air cool. Ah, tu m'as pété mon accord. Mais mec, tes coups, ils sont carrément abusés, quoi. Non, ça va. Un enchaînement normal, t'es juste que ça va revêtir, parce que maintenant... Par contre, mon embrasement qui se termine. Ouais, ça va être mal. Tiens, la paume de Konoha, bâtard. Non, pardon, c'est votre ami. Paume de Konoha, again. Ensuite, petit combo sympa. J'envoie du feu, je savais pas que ça faisait ça, bien évidemment. Alors, j'en ai marre tout le moment, là. Putain, en fait, il a une portée de ouf. D'accord. T'as vu ce que je t'ai enlevé, mais c'est un truc de ouf. Ok, j'arrive. Voilà, allez hop, et moi je te end. Oh l'échec. Bon allez, par contre, Koala, elle va pas se laisser faire comme ça, mon gars. Elle va te mettre un petit coup de poing. Le même combo que depuis le début. Le mec il parle, il fait que des tourbillons. Non mais mec, par contre, c'est dégâts, c'est incroyable. Hein. C'est bon. Voilà, KO. C'est vrai que le barbe blanche, il fait la met bien. On va faire une petite dernière game. Allez, petite dernière. Classico. On fait un classico. Nami, Sanji et Zoro. Aujourd'hui, on va se battre pour une cuisse de poulet, comme ils font souvent dans ce putain d'animé. Contre Luffy, Chopper. Encore Robin. Ça va être un combat familial. Attends, je vais juste faire un truc. Ça, c'est des personnages de soutien. C'est tellement triste l'histoire de cette baleine. Vous vous moquez d'elle, mais son histoire, elle est super triste. Scénario, on est sur le bateau, ok. Il y a une cuisse de poulet. Il n'y a plus qu'une cuisse de poulet. Elle est posée au milieu. Ça se met sur la gueule. Je sous-estime jamais mon bâton. Aïe, ok, je vais commencer par te calmer. Tiens, c'est ma cuisse. Non. Ok, on part sur un Zoro. Quoi? Attends, il s'est passé quoi? Mon personnage s'est immobilisé pendant 25 secondes. Ah, c'est l'odeur de la cuisse de poulet, tu vois, ça va faire. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mal. Et Zoro est aussi fort que dans l'anime aussi, apparemment. Mon personnage est out déjà. Aïe, capitaine, fais pas ça, capitaine. Il a abandonné. Ça va défoncer. Putain, il faut le faire au bon moment, les gestes. Oui. Allez, hop, on part sur un chopper qui se prend des bons coups de pied de Sanji. Sanji, c'est lui qui a cuisiné la cuisse de pied d'ailleurs, c'est le cuistot dans One Piece. Et chopper, c'est le petit cerf tout faible qui a une histoire. Voilà. Je n'attirais plus d'ennuis à mes amis. Comme ça, de couper les turcs cachés. Ah putain, mais attends. Mais d'accord, tu l'as lancé dans ton coin ou comme ça? Juste que Sanji est très très fort. Là, j'ai lancé. Tu vas en prendre plein la vie. Oh là là. C'est bien de dos là. Jambe du diable. Aïe 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 aïe. Oh, oh. La vie n'est plus présente dans cet arbre. Il est pas mal du tout. Je vais brûler tous ces souvenirs. What? D'accord. Oh d'accord. Oh, j'étais vraiment... Putain, oh, j'étais explosé. Il y a le pauvre Luffy qui arrive. C'est pas grave, je prends. Oh, j'aime trop son spécial. Tu m'as attaqué pour ça, Daniel. Hop là. Moi aussi. Bah, je crois que j'étais... Oh, on est défoncé. Ah, c'était... Allez, 13 Nicolo Bill, on y croit. Là, en plus, tu sais quoi, je vais jouer le roleplay. Tu es une femme, je refuse de me battre. Elle a le fric qui lui permet de faire pousser des parties de son corps n'importe où. Voilà. Je te déclare ma flamme, Nico. Mec, je crois que ces combats, ils sont différents parce que t'es une fille. Ah ouais? Ouais, je te jure, c'est vrai. Bon, du coup, on peut plus voir parce qu'il est mort. Mais c'était vraiment cool. T'as par contre, tu tombes à l'estate. Allez, c'est la fin. On part de Zoro. Non, mais Zoro, il est trop fort, il s'est abusé. Bravo. Voilà. Bien joué. Où est la cuisse de poulet? Tu vas me la faire vite fait? Oui, je vais de ce pas. C'était One Piece Burning Blood. On vous fait gagner 10 jeux sur PS4. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Si vous êtes gagnant, vous le recevez par voie postale. Tout simplement. Merci d'avoir regardé. Je vais cuisiner cette petite cuisse de poulet, d'accord? Allez, oui, merci beaucoup.